Mais bonjour, comment ça va bien aujourd'hui? Moi ça va. Ça va très très bien, je suis calme, je suis en paix. Les travaux avancent super vite. Vite et en même temps très lent parce qu'en fait il faut des pauses entre les trucs, laisser sécher pour faire la deuxième partie. Et donc, oh là là, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un si long travail pour, entre guillemets, si peu de choses. Mais voilà, oh là là, comme je me réjouis de vous montrer les photos quand tout sera fini. Voilà. Alors, ben, nous, comment ça va? On est en train de vraiment travailler dans le fond. On sent qu'on va rechercher des choses. Ici, j'ai reçu un message en disant, ça m'arrange, je ne pensais pas qu'il y avait d'autres parties de nous. Mais si vous saviez le nombre de parties que nous avons, et donc c'est un peu... C'est pour ça que je dis toujours qu'on ressemble à un diamant, parce qu'en fait, nous sommes une seule et même pierre, mais avec plusieurs facettes différentes, selon l'école, selon l'éducation, selon le parent avec qui on était. Maman, on était dans un comportement particulier. Papa, on était un autre comportement particulier. Donc, il y a vraiment toutes ces facettes de nous. Et le but de cette programmation, eh bien, c'est de relier toutes ces facettes pour qu'elles soient en paix et unifiées, qu'elles aillent dans le même sens et pas comme vous étiez encore il y a quelque temps, tiraillé comme ça dans tous les sens. Oui, je vais là. Non, je suis en conflit. Voilà. Et donc ici, on va tout réunir pour être en paix. Simplement. Eh bien, allons dans cette paix intérieure. Allez. Voilà, on va respirer. On descend à l'intérieur de soi. Juste vous laisser le temps de vous aligner. Ok. Point karaté. Malgré cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Malgré cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Malgré cette dette de naissance, je m'aime et je m'accepte. Même si je ne me sens pas légitime, à cause de cette dette, je m'accepte totalement. Même si je ne me sens pas légitime, à cause de cette dette, je m'accepte totalement. Même si je ne me sens pas légitime, à cause de cette dette, je m'accepte totalement. Même si je me sens redevable profondément, je m'accepte totalement. Même si je me sens redevable profondément, je m'accepte totalement. Même si je me sens redevable profondément, je m'accepte totalement. Même si je leur dois la vie, je choisis de m'aimer. Même si je leur dois la vie, je choisis de m'aimer. Même si je leur dois la vie, je choisis de m'aimer. De nouveau, comme d'habitude, ferme les yeux, on les garde ouverts. Si vous les gardez ouverts, de préférence, répétez les phrases tout haut, parce que ouverts, vous allez vous partir dans les détails qui vous entourent. Et donc, l'important dans l'EFT, c'est de bien se concentrer sur l'émotion, le ressenti. Je leur dois la vie. Ils m'ont donné naissance. Alors je crois que je leur dois la vie. Ma vie. Une partie de moi
a cru que je devais obéissance et soumission, loyauté. Cette partie de moi a cru que je devais m'écraser, respecter, accepter l'inacceptable. Cette partie de moi a accepté de répondre aux attentes et aux besoins, à leur projection professionnelle, être qu'ils voulaient que je sois. Je leur dois la vie. Ils se sont sacrifiés pour moi. Alors je me dois d'être en sacrifice pour eux. Ils n'ont pas su s'épanouir à cause de ma venue. Alors inconsciemment, j'ai choisi de ne pas m'épanouir non plus. Respirez bien, soufflez, 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 voilà. Cette partie a choisi d'être célibataire pour être disponible à tout moment, ne pas faire du mal, ne pas la rendre jalouse, ne pas le trahir. Ou peut-être suis-je en couple, mais malheureux, pas satisfait, un peu comme si je reproduisais ce qu'il vivait pour être loyal. Je m'empêche de briller professionnellement. Parce qu'ils n'ont pas pu faire leur rêve professionnel. Je me sens vraiment redevable. Pas légitime de vivre ma vie. À cause de tout ça. Alors je m'empêche de m'épanouir professionnellement. Je m'empêche de gagner beaucoup d'argent. Je m'empêche d'être heureuse, d'être libre. Cette part de moi. Cette part de moi qui a choisi le sacrifice. Et je vais vous inviter, si les yeux ne sont pas fermés, à les fermer maintenant à votre aise et de venir vraiment, de laisser venir l'image, la première qui vous vient est la bonne, de cette part de vous qui se sent redevable. Ça peut être vous maintenant, ça peut être une image de vous petit. Laissez venir, la première image qui vient, la première qui vient est la bonne. Même si ça vous étonne. Et on va observer cette image de vous. Voilà, c'est très bien. Sans jugement, on observe juste cette image.
Observez-vous. Votre position, votre regard, les couleurs. Juste observer. Et on va se présenter. Bonjour, je suis une autre partie de toi. Oh là là, je sais très bien, je suis une partie de toi adulte. Je suis Nathalie en 2019. Et je suis désolée. Je suis désolée que tu aies cru que tu devais répondre à tous ces besoins. Je suis désolée que tu aies pris tous ces bagages et toutes ces responsabilités qui ne t'appartenaient pas. Je suis désolée de tout ce que tu as cru. Je suis désolée que tu penses leur devoir la vie. Comme si tu devais ta vie. Comme si ta vie ne t'appartenait pas. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Et je te pardonne d'avoir pris ces décisions qui nous ont fait souffrir. Pardonne-moi de n'avoir pas pu te protéger et aider avant. Merci. Car même si ces comportements nous ont fait souffrir, c'est probablement grâce à ça que nous sommes en vie aujourd'hui. Et pour tout cela, je t'aime. Et je vais faire en sorte que nous puissions guérir avec amour et bienveillance. À présent, laissez revenir une image de vous, petite, la première image de vous, petite, votre enfant intérieur. Comment se présente-t-il aujourd'hui, cet enfant intérieur? C'est peut-être le même qu'hier. C'est peut-être différent, mais aujourd'hui, comment se présente votre enfant intérieur? Quelle est l'image qui est là? Et de nouveau, observez cette image. Comment est positionné cet enfant intérieur?
Comment est son visage? Comment vous regarde-t-il? Je suis toi, adulte. Comme promis, je suis là aujourd'hui. Comme je l'étais hier, je reviens près de toi. Je suis désolée qu'il y a encore toute cette souffrance pour toi. Je suis désolée que cette part qui se sent redevable t'ait fait souffrir autant. Je suis désolée de n'avoir pu être là plus avant. Pardonne-moi pour tout cela. Comme je te pardonne pour tout cela aussi. Merci de ce lien qui se crée. Et je te promets de mettre toute mon énergie à notre guérison et à oser être qui nous sommes réellement. Car toi et moi, nous ne formons plus qu'un. Et pour cela, je t'aime. Respirez, lâchez. Trois grandes respirations, voilà, super. Et quand vous sentez que c'est ok, eh bien, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici avec moi maintenant. Merci beaucoup pour cette vidéo, merci pour tout ce travail que nous accomplissons, merci pour cette communauté du Colibri, ça fait penser qu'il y a un petit temps que j'ai pas mis quelque chose dans la communauté. Donc pour rappel, si vous rejoignez, il y a, si vous allez sur ma page, donc la page YouTube, vous allez voir, il y a un petit onglet communauté et là, de temps en temps, on échange quelques petites choses entre nous. Donc vous êtes les bienvenus dans cette communauté, merci de partager, de liker la vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.